Bonjour mes élèves, je suis professeure Farida, enseignante de français dans l'établissement de Adeimouni. Heureuse de vous rencontrer, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Unité 9. Lire un article de dictionnaire. Premièrement, on va commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un article de dictionnaire? Un article de dictionnaire explique un mot. Elle précise sa nature. Ça veut dire si c'est un verbe, un nom, un adjectif, etc. Et indique son genre masculin ou féminin. Un article de dictionnaire comprend trois parties. La présentation du mot avec sa nature et son genre. L'explication du mot et finalement, elle donne des exemples. Exemple. Avenir. Nom masculin. Ce qui arrivera plus tard. Personne ne connaît l'avenir. Quand vous marquerez, avenir, c'est l'article, elle est toujours soit en gras, soit avec une autre couleur. Premièrement, on donne la nature et la précision du mot. Ici, avenir, c'est un nom masculin. Deuxièmement, l'explication du mot, ce qui arrivera plus tard. Ça c'est la signification du mot avenir. Et finalement, elle nous donne des exemples. Ici, personne ne connaît l'avenir. C'est bien. Maintenant, on va faire un exercice. Regardez, le chien, c'est un nom masculin. Animal utilisé comme animal de compagnie ou dressé pour la chasse. Monsieur Jade est à la chasse avec son chien. Quelles sont les questions? Voilà mes élèves les questions. Premièrement, de quel mot parle l'article? Deuxième question. C'est un adjectif ou un nom? Troisième question. Elle est masculin ou féminin? Et quatrième question. Recopie l'exemple donné dans l'article. Donc, vous faites cet exercice sur le cahier de maison et après, vous corrigez. Voilà, mes élèves, la correction. Corrigez bien. Prenez soin de vous. Au revoir.